Je suis ravi d'être aujourd'hui à Alger pour la première fois en tant que ministre des Affaires étrangères, Union européenne et coopération de l'Espagne. Je viens d'être reçu par le président Tebboune, accompagné de mon homologue et ami le ministre des Affaires étrangères, La Mamra, à qui j'ai transmis au président Tebboune les messages d'amitié de Sa Majesté le Roi et du président du gouvernement espagnol. Nous avons constaté une coïncidence sur les caractères et stratégies de la relation entre l'Espagne et l'Algérie, des pays qui sont non seulement voisins, mais également des amis. Nous avons eu l'opportunité d'échanger et de faire un tour d'horizon de l'état de la relation bilatérale. Sur le plan politique, j'ai transmis la volonté de l'Espagne d'entamer les travaux de préparation de la prochaine réunion de haut niveau qui aura lieu en Espagne et qui doit servir pour identifier des secteurs novateurs pour élargir et approfondir les contenus de notre relation bilatérale. Nous avons regardé vers des secteurs novateurs comme les énergies renouvelables, l'agriculture ou la construction navale. Nous devons aussi continuer à travailler pour que les liens économiques atteignent les niveaux souhaités, à l'auteur de l'ensemble de la relation et d'une façon mutuellement bénéfique. L'Algérie est un partenaire énergétique de premier ordre pour l'Espagne. Elle a toujours été aussi un partenaire fiable qui a honoré ses engagements et j'ai été rassuré aujourd'hui quant à la continuité de l'approvisionnement. Nous souhaitons aussi hausser notre partenariat énergétique vers des secteurs innovateurs, comme j'ai cité tout à l'heure, qui nous permet d'adresser les exigences de la transition énergétique. Concernant la relation de l'Algérie avec l'Union européenne, l'Espagne est toujours prête à travailler pour un approfondissement qui est bénéfique pour tous les partis. L'Espagne continuera à approfondir ses relations avec l'Algérie, pays ami.